Bonjour à tous, bienvenue dans ma carrière manager avec le Wascal Football Club, bien sûr en mode création. Nous allons entamer cet épisode par un petit retour en arrière, en mémoire de l'épisode d'avant, qui malheureusement n'avait pas de son. J'espère que vous avez quand même aimé ma vidéo, malgré tout. Donc, nous avons été battus par Nîmes par 2-1 chez eux. Donc ici, nous allons jouer à domicile contre Bastia pour ensuite avoir un autre épisode contre Dijon. Le mercato n'est pas encore terminé, donc je toute opportunité de joueur qui m'intéresse, je le prendrai, quitte même à le louer. Voilà, je simule les entraînements. Donc, comme vous avez pu voir, aujourd'hui, il y avait une vidéo avec, comment dire, tous mes paramètres de jeu que je joue au sein de FIFA, donc de ses carrières. Et oui, pour le moment, je joue en légende parce que j'ai essayé un petit peu comme ça en entraînement au niveau ultime. Ben, franchement, chapeau pour ceux qui savent le jouer, mais parce que moi, j'arrive pas. Enfin, du moins, pas pour le moment. Donc, comme vous avez vu, j'ai mis les sliders de l'équipe adverse en marquage beaucoup plus élevé et le niveau du gardien. Pour le reste, j'ai rien touché. Oui, oui, bien sûr, les blessures également que j'ai mis à 30. Mais ça, c'est pour les deux. Mais au niveau de l'équipe adverse, j'ai haussé le niveau du gardien et j'ai haussé au niveau de la défense. Donc, nous allons entamer notre cinquième journée de championnat. Nous sommes un peu en retard par rapport à Dortmund, donc je vais faire plusieurs épisodes avec ce club pour pouvoir essayer de rattraper un petit peu Dortmund, vu qu'eux sont déjà assez loin au niveau du championnat. Donc voilà, nous avons le match contre Bastia. Vu qu'on joue chez nous, je joue avec l'équipe A, avec un 4-3-3-9, et eux jouent en 5-3-2. Mais je peux aussi changer mon dispositif en cours de match. Donc, nous allons jouer dans notre stade, notre petit stade pour le moment, avec un trio d'attaque quand même assez élevé pour la Ligue 2, mais voilà, comme vous pouvez entendre, vous entendez la musique, c'est la musique de la Ligue 2. Voilà, nous sommes au stade Lucien Montagne, qui est le véritable stade de Wascal, qui fait partie de la banlieue de Lille et qui est fournisseur pour le club de Lille, avec toutes les jeunes pépites achetées à gauche, à droite et aussi formées dans le club. Voilà, les joueurs vont se présenter. Voilà, la Ligue 2, voilà la composition d'équipe. Green au gardien. Truffier, Tian, Bokachap et Siké, Boula, Fredrup et Raskin, Sar, João Pedro et Doku. Le trio d'attaque phénoménal et Boula comme meneur de jeu et capitaine. À
à nous de remporter cette rencontre, puisque, comme dit le CA chez nous, ils veulent jouer la montée. Ben, on va essayer par tous les moyens d'y arriver, et surtout en Coupe de France. Donc c'est pour ça que nous allons voir ce que dans l'effectif et aussi au niveau des recrutements dans les jeunes de formation, voir ce qu'il y a moyen de faire. Mais je prends un plaisir dingue avec cette équipe par rapport à Dortmund. Voilà le coup qui est pris. C'est qui au centre ? C'était bien joué. Belle récupération de Fredrup. Ah, la passe. Ah, c'est bon ça, c'est qui. Bien joué, Boulot. Je veux que mes joueurs soient, dès qu'ils ont l'ouverture, ne fût-ce que pour tirer, je veux qu'il tire. Raskin. Ouais, Raskin. Remarque, Siki, c'est bon. Hein. Allez, Siki, centre. Et voilà. Ouh, dommage. Bien essayé, les gars. Ah, là, on doit le mettre. Hein. Enfin. Une reprise de volée, c'est tout ou rien. Allez, les gars. Allez, les petits jeunes. Bien joué, Boula. On va essayer. Il faut tirer de toute façon. Ouh là, c'est... là on a été vu. Là je vais gardien. Voilà. Ah, c'était bien essayé, un peu trop fort. C'est pas grave, c'est au moins essayé, les gars. Pas se précipiter même pour en attaque. Voilà, on récupère le ballon, on en fait ce qu'on peut. Ah non, là c'est une mauvaise passe. Bien joué. Ah, Truffier, dommage.
Bien joué, Thio. Ouais, sauvé sur la ligne, les gars. La chance, hein. Ouais. Ouais, elle est pas dedans complètement. Allez, il faut pas trop traîner, les gars. Ils sont vite sur nous, hein. Allez, allez. Et voilà le but. Voilà, les gars. C'est comme ça qu'on doit jouer. On doit jouer le contre à fond. Voilà. Le 1-0 est mérité, les gars. Trois buts en trois matchs. Très bonne moyenne pour notre jeune Brésilien. Bien joué, gardien. Allez, on joue sur le côté. Voilà, Siké. Vas-y, 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 Siké. Lance. Lance le coup. Voilà. Ah, c'est trop tard, hein. Bien joué, gardien. Allez, c'est un corner, les gars. Ouh, la tête était belle, hein, mais... Ouh, elle passe pas loin. Et voilà le deuxième. Bien joué, João Pedro. Bien décalé, Fieu. Et oui, 2-0. Et oui, notre public est carrément derrière nous. Et oui. Malgré l'augmentation en défense et du gardien, ben on parvient à marquer quand même. Plus difficilement, bien sûr, mais on parvient à marquer. Est-ce que les scores sont un peu moins fleuves, sauf contre des plus petites équipes, bien sûr. Bien joué de coup. Allez, Siké.
Allez. 2-0 à la mi-temps, c'est bon. Et deux buts de mon buteur. Eh oui. On a largement dominé la première mi-temps, en espérant qu'on la domine également en deuxième. Il suffit d'un but. Là, on devait marquer, mais bon. C'est vrai qu'une reprise de volée, c'est tout ou rien. Il s'en veut, mais bon. Il a bien joué. Voilà. Là, il a fait très mal à la défense. Avec la passe en retrait à João Pedro, il n'y a plus qu'à le mettre. Eh oui, ça fait mal des balles comme ça. La tête était bien mise. C'est dans le cadre, elle est dedans. Là, João Pedro fait un beau décalage. Et là, il n'y a plus qu'à le mettre. Allez, 2-0 à la mi-temps, c'est bon. On essaiera une autre formation en cours de match. Et voilà. On commence la deuxième. À Truffier. Ah non, là c'est trop vite. Bien joué. Bien récupéré, les gars. Bon, le tir est pas assez fort. Hein. Bien joué, bien tenu, feu. Allez, Raskin. Et voilà, deux coups. Bien joué, les gars. Ouais, trois buts. C'est comme ça qu'il faut jouer, les gars. Allez, on va essayer une autre version. La version défensive. À jouer. À jouer, ça green. Et ils sont dépités là.
Ouais, c'est pas grave. Bien joué, ce gardien. Allez, vas-y, 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 vas-y. Non, c'est pas vrai. Bien joué, ça. Ouais, t'as ton défenseur de vitesse, là. Bien essayé. Allez, on va voir pour changer. On va changer Raskin et nous allons mettre Franz. On va changer Doku et on va mettre Tillman. Et on va changer Bella Kotchap et on va mettre Collins. Allez les gars. Jérémy Doku qui a fait un très bon match. Bien joué, gardien. Oh là! Et voilà le quatrième. Bien joué, Tillman. Il n'y a pas photo. Eh oui, le gardien est toujours là. Eh oui, il dégoûte carrément l'attaque adverse. Il fait un match extraordinaire, Green. Vous voyez pourquoi je l'ai acheté. Hi, Tio. Hors-jeu.
Oula. Beau tir. Ah, ils en ont plein les pieds. Et voilà, 4-0. Un match sans unique. Face à une équipe de Bastia. Qui a eu quelques petites occasions malgré tout, mais assez faible dans le jeu. Et ça, ça ne pardonne pas comme une équipe comme la nôtre. Là, la tête, elle est pas mal. Enfin, notre gardien était vigilant. Encore une clip chip. Notre équipe, Tillman, qui marque le quatrième. Et voilà. À peine rentré, il marque. Un jeune Allemand que nous avons déniché OFC Cologne. Barré bien sûr par son équipe. Voilà, le 4-0. %65 à %35. En possession. 66-34, nous avons dominé tout le match, à part un petit peu vers la 30e à la 45e, mais ils ont pris un petit peu le dessus. Au niveau des tirs, nous avons 13 tirs à 9 cadrés et eux 11 à 8. Au niveau des passes, 110 à 99 et 118 à 97. En défense, ils ont eu plus de travail en défense. Nous allons voir les performances. Voilà, Green 10 sur 10. João Pedro 9,2 sur 10. Ismail Assar et Boula 7,9. Doku 7,8. Sike 7,4. Truffert 7,3, 7,2 pour Fredrup, Thio 7 sur 10, Tillman et Raskin 6,8, Bela Kotchap 6,7, Collins 5,8 et Franz 5,6, mais ils sont rentrés. Voilà, et chez eux, le meilleur joueur est Satelli avec 6,9. Nous allons aller à l'interview d'après-match.
On regarde les résultats. Ouais, ça a été assez vite. Je suis avec l'entraîneur qui accepte gentiment de répondre à nos questions. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils vont nous poser. Là, pour moi, il a fait un impressionnant match. Il a été excellent, bien sûr. Persévérer. Bah oui, je sais pas dire grand chose. C'est pas mon équipe. On est tourné par le prochain match. J'ai pas à répondre à cette question. Elle aurait pu tourner dans l'autre sens. Voilà. Moi, je ne trouve pas, donc. Voilà. Nous allons aller au développement puisque Tillman, voilà, il est AD. Je vais lui faire jouer du mauvais pied. Développement pour bas. Là, je vais le mettre en soutien, comme ça, il sera élevé, élevé. Voilà. Mime est toujours en tête. On va voir les résultats. Ouais. Et Nîmes, qu'est-ce qu'il fait ? Il gagne 2-1 à Dunkerque. Ah, c'est bon, hein. On va voir la presse. Pedro, auteur d'un doublé lors du match contre Wascal. Ben oui. Wascal a le vent en poupe. Mais parce que voilà, je préfère l'avoir comme attaquant gauche. Il a toutes les qualités. Voilà. Je vais aller voir le message. Tillman option de changement, ben oui. Voilà tous les joueurs qui sont partis. Oui, ça c'est OK. Voilà. Dans les jeunes, il n'y a personne. Staff du centre de formation. Ouais, ils l'ont mis en place. Un réseau en France et un réseau au Brésil. Voilà. Ceci termine l'épisode. J'espère qu'il vous plaira. Tout comme moi de le faire. Je vous dis bonne journée, à bientôt, portez-vous bien, salut.